Donc vas-y Marie, dis-nous où on est. Île Brac, là où il y a le phare rouge qu'on voit pas là. D'accord. Et donc à l'autre bout là-bas on voit pas. On voit pas. C'est là. D'accord. La suite au prochain épisode. C'est étanche. Adios amigos. Ouais, là c'est la partie de l'expédition qu'on n'avait pas. Ouais, en partant à 10h, on était bon. Poids là-bas, on dirait les Goonies. C'est bien fait pour toi, Marie. Nanana. J'ai fait pourquoi j'avance vite. Mais là normalement je suis censée dans l'autre sens. Regarde comment c'est toi. Ah, regarde, moi j'ai l'écriture à l'envers.
d'algues et... Oui. Est-ce que tu as l'application Bar Hamzer sur ton téléphone? Non, je n'ai pas l'application Bar Hamzer. Oh, quel dommage. Il faut pas tout prendre sur une tempête alors. Par contre, il faut savoir que Pokémon Go marche sur l'île Vierge. Ouais, Alexis est content. Même ici, Pokémon Go, ça marche. Phare de l'île Vierge. Point d'intérêt, le phare de l'île Vierge. Bon les gars, celui-là, si vous le voulez, il faut pas gayer. Bon, par contre, faut que j'aille, parce que d'ici, je l'ai pas. C'est agréable, là, comme ça. Salut, l'île Vierge. Bon, là, on s'est arrêté dans un endroit très sympathique pour aller dans l'eau. Alexis passe son temps à se faire attaquer par des algues. Il est tout là-bas. Nous, on est sur un bout de l'île Vrac ou pas, on sait pas. Alexis a réussi à planter. Alexis a réussi à poser sa pagaie. Je pense qu'on est par là. Moi, je dis qu'on est par là à peu près, vers là, dans ce coin-là. C'est ce que je vais dire au secours en les appelant. Ah, finalement, on a vu des cormorans. Enfin, un cormoran qui pêchait. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des un peu les jambes? On a eu un joli balai de mouettes tout à l'heure, mais j'ai pas réussi à les filmer. Vos impressions, monsieur Doussin? Oh, c'était pas mal. Fatigué. Un peu fatigué, ouais. Mort. Complètement mort. Bon, maintenant, faut rentrer à la maison.